Oscar Painting Gallery. Yes. C'est une galerie associative qui pour l'instant présente Oscar, je suis l'artiste. D'accord. Et qui a pour ambition de réunir quelques artistes dans la même veine. Personnellement, moi quand je peins, j'essaye de ne pas avoir d'idées, d'être en travail avec la toile et de créer quelque chose qui va faire une vibration, une émotion dans le cœur des gens. C'est le seul but que j'ai. Ok, tu peux parler un petit peu de cette toile, effectivement. Cette toile, c'est un peu, ça va être ma marque de fabrique. C'est la première que je fais dans ce genre. Et en réalité, il y a plusieurs couches. Je fais ressortir un visage, je crois que je ferai toujours ça, mais qui est difficile à voir quand on est prêt. Il faut être assez loin. Et après, on ne peut plus ne pas le voir. Et là-dessus, je mets des textes qui sont des textes de mes propres livres. Celui-ci, je pourrais le citer très rapidement. Dis-moi, ouais. Très rapidement, c'est « Arriver sur le lieu ». Il n'y a pas de lieu. Arrivé sur le lieu, je bâtis une montagne, un arbre, un ruisseau, une maison sublime. Et puis, sous une larme, sous une limpidité, sous une lucidité, sous le genou plié, sous une joue mouillée, je deviens comme une montagne, un arbre, un ruisseau, une maison sublime. Je suis une montagne, un arbre, un ruisseau, une maison sublime. Je suis un lieu. Il n'y a pas de lieu. C'est le texte qui est là. Alors, c'est intéressant de voir les gens s'approcher, le lire et puis repartir sérieux en réfléchissant. Juste de plus torturer un petit peu, non? Il y a un côté désabusé, un côté regardez ce que l'on est devenu, un côté vous êtes pas inquiet de tout ça, un côté mais ça me donne envie de pleurer. Et c'est un côté en même temps calme et tranquille, je veux dire, il n'y a pas de critique particulière. Je crois qu'il y a beaucoup d'amour. Un peu philosophe, non? Un peu métaphysicien. Un peu métaphysicien. Plus que philosophe. D'accord. T'as écrit des livres? Et tous ces textes sont en poésie. Poésie en vrac. D'une vie introspective, j'ai oublié la thématique. Les ailes de la différence. L'être et le mirage, c'est le dernier. L'être et le mirage. À compte d'auteur ou publié? Ça, c'est publié à compte d'éditeur. À compte d'éditeur. C'est-à-dire, je suis moi-même éditeur et je travaille avec The Book Edition. Donc, sur mon site, si on coche sur The Book Edition, on est comme dans Amazon. D'accord. Et ça, c'est Demande à un autre, qui explique comment vivre aujourd'hui à l'heure de la mondialisation en intégrant la métaphysique dans la vie de tous les jours. Et comment il faudrait aujourd'hui faire de nouveaux repères, y réfléchir, y travailler, pour arrêter de dire qu'il faut dégager ce qui est profond et au contraire le voir, mais avec d'autres explications que celles que l'on trouve dans les religions, etc. Je pense qu'avec la science, ce qu'on appelle la théorie quantique, aujourd'hui on arrive à expliquer des choses métaphysiques qu'on n'arrivait pas avant, objectivement. C'est vrai. Je crois voilà, moi je travaille là-dessus, et je travaille pas, j'écris, c'est naturel, je ne suis pas mal. Le texte que j'ai lu tout à l'heure, que j'ai récité, c'est le texte que j'avais écrit il y a même 3 ans. Revenons à ta peinture, tu peins depuis combien de temps? À l'âge de 13 ans, je faisais des tableaux comme celui-ci, qui est un tableau du trio de jour que j'ai transformé en tableau de nuit. Et j'avais 13 ans. Après, tu as fait ce tableau-là à 13 ans? À 13 ans. Il est magnifique. Oui. Et je l'ai toujours. Tu l'as toujours? Et le pire, c'est que la signature... Tu l'as jamais vendu, en fait. Enfin, tu l'as jamais cherché à le vendre. Tu l'as peut-être jamais cherché à le vendre. C'est sacré. Je crois, ouais. Et ça, c'est ce que je faisais à 23 ans. C'est des bois sculptés, peints avec des touches de chalumeau après. Et j'ai repris après, et quand j'ai repris, ça donnait ça. Puis ça évoluait sur ça, des couples en harmonie. L'idée, c'était l'harmonie. D'accord. Et puis je suis allé exposer à l'Art Basel à Miami. Et quand je suis revenu, j'ai fait ça. Et on est parti sur un abstrait avec forme, qui petit à petit est devenu un abstrait sans forme. Et maintenant, je fais abstrait sans forme et avec forme. Plus tard, il est décoratif à la sortie. Bien sûr. Mais je crois que si l'artiste n'est pas là pour transmettre, ou plutôt être un médium qui permet à chacun qui regarde un tableau, une œuvre, une sculpture ou autre, d'avoir une émotion à l'intérieur qui lui révèle sa flamme, sa propre flamme, la flamme intérieure qui est là pour tout le monde, alors l'artiste n'a pas de... ne joue pas son rôle. Et dans une société, si l'art est mort, si l'art ne joue pas son rôle,
Je sais pas ce que. On va avoir le transhumanisme bizarre. Enfin, là, on rentre dans ce que j'écris en disant méfions-nous, peut-être qu'il faut réinventer des repères qui nous permettent d'être profonds, puisque ce qu'il y avait avant ne nous plaise plus. Mais l'idée qu'on deviendrait matériel et uniquement décoratif n'est pas de là. Ou en tout cas, c'est un art décoratif qui n'est pas le plus profond. Moi, ne me convient pas. Mais que je respecte. Mais il faut garder une volonté d'aller vers quelque chose d'intérieur, de fort. C'est mon style, je ne fais même pas exprès. Je fais comme ça. Mais je respecte tout le monde. Merci, Oscar. Merci à toi. Thank you.